Bonjour tout le monde, on va parler d'une nouvelle vidéo autour de Naruto et de la licence sur les jeux mobiles. Une petite gorgée à la vôtre parce que un nouveau jeu Naruto vient de fermer ses portes. Il s'appelle Naruto Shinobi Collection. Pour ceux qui le savent déjà, il était disponible, enfin, il est encore disponible sur Tap Tap et Coop, ceux qui veulent le tester. C'est un jeu en plateforme en mode chibi, éclaté au sol. Et ils ont annoncé la fermeture de ce jeu. D'ailleurs, le jeu est développé par Gray, ceux qui ont développé Ninja Blazing. Et ça continue, ça continue. Le seul jeu pour le moment qui est en cours, c'est Naruto X Boruto Ninja Voltage, qui rapporte plus ou moins entre 800 000 à environ grand max 1 500 000. Ça, c'est lors des célébrations, des anniversaires, etc., des gros événements, où il rapporte vraiment 1,5 million dans le monde, en comptant la version Jap et la version globale. Maintenant, l'avenir de ce jeu, je pense que d'ici fin d'année, voire début d'année prochaine, il fermera ses portes. Quelle raison? Vous savez que récemment, Netmarble a tenu une conférence où ils ont annoncé une vingtaine de jeux qui arriveront entre cette année et fin d'année prochaine. Parmi les jeux dont j'ai déjà tourné des vidéos, que ce soit Seven Deadly Sins Origin, il y a quoi d'autre? Il y a Solo Leveling, Seven Deadly Sins Origin, donc Nanatsu no Taizai, et Tower of God, sous des licences webtoon, manhwa on va dire, et licence animée. Et en dehors de ça, il y a Black Clover, Fullmetal Alchemist, qui sortent également. Comment vous dire que en dehors de Fullmetal Alchemist, les quatre jeux vont arriver en version globale et en multi-plateforme, excepté pour Black Clover. Black Clover qui n'est pas développé par Netmarble, mais par Big Game Studio. Ces trois jeux que j'ai annoncés là, qui sont développés par Netmarble, Fun et FunEmpty, et en fait, ils vont manger la concurrence. Du coup, ce jeu va fermer ses portes. Ils vont annoncer d'ici septembre, voire un peu plus tard, la date de fermeture des serveurs. Et ce qui veut dire que ça donne un potentiel nouveau jeu qui pourrait arriver d'ici fin d'année. Enfin, qui pourrait arriver. L'annonce pourrait arriver en fin d'année. Le jeu pourrait arriver en 2022. En 2023, je veux dire. Malheureusement, en sachant ce qui va arriver d'ici 2023, avec toutes les masterclass, et que seul Bandai détient cette licence de Naruto, et on sait d'avance que tout ce qu'il développe en dehors de Dragon Ball, ferme ses portes au bout d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. Ben, comme vous le savez, Naruto Ninja Streams a fermé ses portes au bout d'1 an et quelques mois. Ninja Blazing au bout de 3 ans. Shinobi Collection au bout de 4-5 ans. Alors qu'il était disponible qu'au Japon. Il y a plusieurs raisons pour cette fermeture. Manque de motivation par les développeurs, etc. Ils ont eu la flemme de continuer, etc. Mais bon, maintenant qu'il reste plus que Ninja Voltage en cours et qui va forcément fermer ses portes d'ici fin d'année voire début d'année prochaine, on verra quel type de jeu ils vont sortir Bandai, vu que ce serait les seuls qui à l'heure actuelle détiennent cette licence, excepté si Shueisha, les éditeurs de la licence, clouent le contrat avec eux et ou revoient les termes de contrat, qui ne soient pas les seuls derrière cette licence. Parce que réellement Bandai et Naruto, ça fait deux. Réellement, ils ne savent pas développer un jeu mobile sur Naruto. Parce que si on compte les jeux mobiles, les jeux consoles, compter des masterclass, que ce soit de la saga Chronicle à la saga Storm et à la Shinobi Striker, les gars, ils ont fait des vraies pépites. Mais en dehors de ça, les jeux mobiles, ils sont éclatés dessus. Et du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à di dire. Je vous tiens au courant des futures nouvelles concernant ces jeux. Mais prochainement, je pense que Ninja Voltage fermera ses portes avec l'arrivée des
de ces jeux next-gen, vraiment next-gen, qualité incroyable, jeu incroyable, tout ce que vous voulez sera incroyable, que ce soit en termes de open world, que ce soit en termes de contenu, je pense, et en termes de nouvelles opportunités pour les Coréens et les Chinois. Tous les amis, je vous dis ciao et à la prochaine, prenez bien soin de vous, et je vous dis à de nouvelles, à bientôt pour de nouvelles vidéos.